Non, Anna, je t'ai déjà dit d'arrêter de me suivre. Mais Oh. t'as le cadeau, moi je t'aime trop! Oh non, mais t'es insupportable. Je vais au parc, je peux même pas être tranquille. Tu me suis vraiment partout. Arrête Moi ça. je vais être tout le temps avec toi! Oh là là. Bon, écoute, tu sais quoi? Tu vas rester là et moi je vais rentrer chez moi parce que là vraiment j'en ai trop marre de toi. Tu me suis partout. Je peux venir Si, avec si, toi, t'as le si. cadeau, Non, je non, non, peux venir non, chez non. toi, je vais visiter ta maison, s'il te plaît! Non, 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 il n'y a rien à visiter dans ma maison. En plus, il y a ma fille qui est à la maison et j'ai surtout pas envie Trop bien, de t'as une fille! te... Non. Chouette, sa future maman! Non, tu seras sûrement pas sa future maman. J'ai sûrement pas Oh, envie de te la présenter. super cadeau! Non, je t'ai Oh, déjà dit que non, si! non, Oh, non. s'il te plaît! Non, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non, c'est non. Ok, Anna? Mais je veux être ta Mais femme! moi, j'ai pas envie en fait. Oh, t'es vraiment insupportable tout le temps, je te dis que non. Oui, je vais aller voir Gabby, je vais lui demander s'il peut m'aider à me débarrasser de cette fille-là. Parce que Anna est vraiment insupportable. Déjà qu'avec Awariz, on a eu du mal à s'en débarrasser. Et moi tout seul maintenant. Mais je peux pas aller chez mon pote tranquille, t'es obligé de me suivre. Oui, je peux me taire avec toi. Ah bon, je vais toquer chez Gabby. Toc, toc, toc. Bah là là, c'est qui sonne à cette heure-là, là? Ah, Oh, Gabby, salut. oh non, pas elle, pas elle. De quoi, Non. qu'est-ce qu'il y a? Attends, ferme la Gimmy, porte, voilà, c'est bien. j'en ai marre, elle me suit partout, elle me suit partout cette fille, aide-moi s'il te Oh plaît, fais quelque chose. non. Non, 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 moi je peux pas t'aider, hein. Celle-là, elle m'a déjà suivi à un moment et vraiment, j'ai pas envie qu'elle me re-suive comme la dernière fois, hein, sérieux. Oh sérieusement, attends, elle est devant la porte, mais elle est vraiment insupportable, elle me suit vraiment partout, j'en ai Ah non, mais marre. mec, c'est une folle et tout, mec, mais je peux pas venir t'aider, c'est impossible pour moi. Pourquoi? Pourquoi c'est vraiment Bah, j'ai impossible? pas envie qu'elle refasse la même chose, elle me l'a déjà fait, c'est ce que t'es en train de vivre, je l'ai déjà vécu. Oh non, me dis pas que c'est pas vrai. Oh non, mais Elle nous comment est-ce regarde que par je la vais fenêtre, elle faire? nous regarde par la Oh non, fenêtre. mais salut, coucou, ça va? Oh non, mais Gamy, mais comment est-ce que je vais faire pour me débarrasser de cette fille? J'en peux plus. Mais moi, je n'en sais rien du tout. Mais demande à Awariz, je pense qu'il pourrait t'aider en vrai. Awariz, tu penses qu'il peut m'aider? Je pense qu'il pourrait t'aider, mais moi, j'ai pas envie de me. Oh là là, regarde, non mais regarde comment elle nous regarde. Ah, salut. Oh. Oh là, Et les qu'est-ce qu'elle garçons, dit? ça y est, t'as le cadeau? Oh, ferme la vite, ferme la vite, Oh, t'as mais pas elle de a vitre, cassé t'as ta pas de vitre. fenêtre, elle a cassé ta fenêtre. Bon, écoute, j'ai pas envie de te poser plus de problèmes que ça, Gamy. Tu sais quoi, je vais y aller, ok? Ok, Mais et ça, ferme bien t'as la le porte, cadeau, hein. Ferme bien la porte viens! derrière toi. J'arrive. Allez, cool, allez, salut, t'as le cadeau, ciao. Oh punaise, il m'a refermé la porte au nez. Cadeau, c'est ton ami? Non, pas du tout, je le connais pas, je voulais juste aller le voir vite fait et tout, bon, voilà. D'accord, il est mignon lui aussi. Ouais, bah, ce qui paraît, justement, il te connaît un petit peu, hein, il m'a dit, hein. Bon, Ouais, peut-être. il m'a Je dit me souviens plus, moi j'aime que toi. que t'as dit quoi, pardon? Moi j'aime que toi. Ah, t'aimes que moi, ok, bon, bah, tu sais quoi, on va jouer à un jeu, enfin, je te propose quelque chose. Ce qu'on va faire, c'est que je te présente ma fille, et une fois que je t'ai présenté ma fille, eh bien, j'ai plus envie de te voir du tout, ok? Non, mais non, non, le prends pas comme ça, hein, le prends pas comme ça. Non, non, juste écoute, pleure pas, juste écoute. En fait, moi j'ai déjà quelqu'un dans ma vie et tout, et j'ai pas forcément envie de. Je savais pas que t'avais quelqu'un dans ta vie. Bah ouais, tu C'est vois. moi. Non, non, c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. J'ai personne dans ma vie, les amis, il faut bien que j'invente quelque chose. En fait, voilà, il faut tout simplement, en fait, qu'on évite de trop se fréquenter, t'as compris? Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Oh non, mais rien du tout, mais t'as rien fait de mal, t'as rien fait de mal. Juste écoute, t'es un petit peu trop collante, tu vois ce que je veux dire? Non, moi je vois pas. Ok, bon, écoute, viens, viens, viens. Tu sais quoi, je te présente ma fille Lily et tu lui dis bonjour et après tu prends la porte, ok? D'accord. Allez, Lily, t'es où Lily? Ah, je suis en haut, je suis en haut. Ok, Lily, j'arrive, vas-y, viens, viens, viens. Je vais te présenter une amie, c'est une amie, elle s'appelle Anna, voilà. Bonjour madame. T'étais la fille de Talcador? Ouais, c'est ça, ouais. T'es trop mignonne, j'aime trop. Ouais, je suis mignonne, ouais, je sais, mais bon, tu peux éviter de t'approcher? Ah, mais je suis ta future maman? Ouais, non, sûrement pas, allez, Non, je crois pas, bon, voilà, t'as vu ma fille, c'est Lily, bah non, bah tu peux prendre la porte, ok? Je vais rester un petit peu. Oh non, c'est pas possible, mais en fait, j'ai plein de trucs à faire, je dois aller voir un ami, là, ok? Ah, mais je peux venir avec toi? Non, mais justement, en fait, mon pote, il est juste là, ouais, j'arrive chez toi dans 5 minutes! J'arrive chez toi dans 5 minutes, t'inquiète pas, j'arrive chez toi dans 5 minutes. Ok, vas-y, J'arrive chez toi. Non mais, vas-y, va chez toi, Awariz, chez toi, t'inquiète, Ok, j'arrive. Bon, écoute, voilà, justement, je dois aller voir Awariz chez lui, j'ai quelque chose à faire, ok? Tu peux nous laisser, c'est bon? Je peux peut-être t'accompagner? Écoute, non, 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 tu peux pas m'accompagner. Allez, bon, moi je bouge vite, allez, c'est parti. Bon, les potes, il faut vraiment que je me débarrasse de cette fangirl folle. Parce que, Anna, j'en peux plus, arrête de me suivre, j'en peux plus. J'en peux T'as le plus. cadeau, je t'aime. Non, mais moi, non, j'ai pas envie. Oh là là, tu me colles trop. Oui, je pourrais t'aimer, mais tu me colles trop, Anna, c'est insupportable. Bon, allez, je toque chez Awariz. Bon, est-ce qu'il va répondre? Mais d'où tu te permets de sonner chez Awariz? Toi, t'es pas invité chez lui. Ah oui, T'es pas bah. invité chez lui. Mais.
salut. Pourquoi vous êtes vous deux là? C'est qui elle? C'est la copine de Talcado, je suis la copine de Talcado. Non, ouais, c'est pas ma copine, ferme la porte à Waris. Ah, ah. Ok, ok, bon. Talcado, pourquoi elle est avec toi elle? Oh, j'en peux plus à Waris. Elle me suit de partout, j'en peux vraiment plus. Oh là là. Mec, je t'avais dit qu'aujourd'hui c'était la soirée Nintendo Switch à jouer à Mario Bros. Ah, la soirée Nintendo Switch pour jouer à Mario Bros? Ouais, et manger des cartes graphiques. Ah, et manger des cartes graphiques, mais c'est super sombre. Mais Waris, je viens te voir, je suis en détresse à Waris. Je suis allé voir Gamy juste tout à l'heure et j'essaye de me débarrasser de cette fangirl totalement folle. Elle est vraiment insupportable, elle me suit de partout. Je t'avoue qu'elle me fait un peu peur aussi. Pourquoi elle est sur ma vitre? Parce que justement, elle regarde tous les faits et gestes que je suis en train de faire. Ah, Waris, il faut que je trouve un moyen de m'en débarrasser. Aide-moi, s'il te plaît. Gamy n'a pas réussi, bon, alors, toi tu vas peut-être réussir. Il y a plusieurs moyens déjà. Je pense que j'ai un moyen temporaire pour simplement trouver une idée. On va trouver une idée de c'est quoi, mais je vais la faire fuir temporairement. Ok, c'est quoi ton idée? J'ai une arme. Bon, c'est parti. Bon, je sais, c'est un peu la manière lourde, mais bon, il n'y a pas trop le choix. Hein. J'ai l'impression qu'elle est vraiment très collante. Hein. Ouais, mais je suis même pas sûr qu'avec ça, elle s'échappe, hein. Elle s'enfuit, hein, je te jure. Au pire des cas, attends, je vais sortir les petits calibres et les gros calibres. Alors, ok, j'ai bien envie de voir ça. Doucement quand même, hein. C'est une fille, hein. Il faut être doux avec les filles. Oula, attends, Talcado il est dans la maison, Talcado. Viens ici, là, mets-toi ici, là, tu vois. Et genre en mode. Et tu regardes dans la direction de la maison de Talcado. Oh, non, mais. Talcado. Non, mais Awaris, non, il peut pas faire ça. Non, tu peux sûrement pas la tuer, t'es fou, quoi. Mais t'es malade. Non, je vais pas faire ça, mais non, t'inquiète, c'est ça le truc. Il faut qu'elle regarde en direction de ta maison. Regarde, Anna, tu me promets de rien pas lui faire de mal, hein. Mais pour l'instant, oui, ça dépend de comment ça va se faire. Talcado, il veut pas qu'on fasse de mal, c'est un vrai protecteur. Non, je pas du tout. Mets-toi sur ce. Mets-toi à cet endroit-là et ne bouge plus, ok? Et tu regardes la maison de Talcado, t'adores Talcado, regarde sa maison. Qu'est-ce qu'il va faire? Allez, perds-toi, pars d'ici. Ah, ouais, mais je l'ai dit de pas frapper les filles, on frappe pas les femmes, enfin, et ni personne. J'ai fait tout doucement, ça va. Mais je croyais que t'allais utiliser une Kalachnikov. Ah, moi aussi, si ça marchait pas, mais ça marchait. Ok, d'accord, non, mais non, je te promets qu'à tous les coups, elle va revenir. Où est-ce qu'elle est? Je la vois plus. Attends, on va voir. Ouais, pour l'instant, je la vois pas. Écoute, je crois que ça a fonctionné. Je crois que t'as raison, mec. Elle revient. Oh, punaise, c'est une manière allez, temporaire. Allez, je vais la faire directement, c'est parti. Non, Waris, je t'ai dit, ne tire pas. Sors dessus. Non, Waris. Maman, allez, pars dessus. Waris. Non. Non, tu peux pas faire ça. Écoute, je crois qu'elle est partie très loin là. Je crois qu'elle est chercher McDonald's. Ouais, mais à tous les coups, elle va revenir. Et je t'ai dit, après, on va avoir des problèmes avec la police. Bon, bref, il faut vraiment trouver une solution beaucoup plus viable. Parce que je te promets que là, c'est insupportable. Il faut que je trouve un moyen de disparaître. De disparaître. Ok, bah, si tu veux. Alors, toi aussi, monte sur ce bloc là-bas. Non, sûrement pas. Non. Un truc vraiment plus simple. Genre, un endroit où je pourrais me cacher. Quelque chose qui me permettrait, je sais pas moi, de. En plus, viens, on va parler plus loin. Viens, on va se cacher là. On va parler plus loin. Oui, bon alors, dis-moi, t'as pas une idée? En fait, j'ai une petite idée. Ouais. Attends, tu m'as dit que tu voulais disparaître. Alors, tel cadeau, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Oui, dis-moi. On commence par la bonne nouvelle? Bah, vas-y, la bonne. J'ai trouvé une idée. C'est la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle est déjà de l'autre côté, celle-là. Où est-ce qu'elle est? Je l'ai vue vers la fenêtre là-bas. Oh, elle est encore là, mais attends, mais elle revient vraiment au galop, hein. Où est-ce qu'elle est? Bon, je la vois pas pour l'instant, ça devrait faire l'affaire. Bon. Moi, je l'ai vue. Okay. En tout cas, tel cadeau, ce que je pourrais te proposer, c'est simplement de faire croire à simplement ta mort. Faire croire à ma mort? Bah oui, parce que si elle croit que t'es plus dans ce monde, bah, elle pourra plus simplement chercher Talcado vu qu'il est plus là, il sera sous terre. Avant qu'elle te rejoigne sur la terre, je pense pas. Hein. C'est vrai, me faire croire à ma mort. Je fais semblant d'être mort sur Minecraft, mais ça peut vraiment être une super bonne idée. Comment tu comptes t'y prendre? Ce qu'il faudrait faire, c'est que simplement, je sais pas, faudrait qu'elle voie simplement que je te fais du mal ou un truc comme ça, qui t'intéresse, un truc grave qui t'arrive. Et sauf que le problème, c'est que si je le fais vraiment, bah tu vas vraiment mourir. Écoute, t'as pas une autre solution au mieux? Peut-être que je pourrais faire semblant de je sais pas moi, de me noyer ou de je sais pas, quelque chose, de me faire attaquer par un monstre, quelque chose comme ça. Sinon, il faudrait faire un saut d'une falaise, mais le problème c'est que j'ai plus de matelas hein, pour te mettre en bas de la machin. Qu'est-ce qu'on pourrait te donner? Attends, j'ai un truc ici là que j'ai acheté il y a pas très longtemps, regarde, c'est ça. C'est quoi? C'est des bottes en fait. Fais voir qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces bottes. Oh, des bottes chute à
mortier. Mais attends, ouais. Mais avec ça, je peux sauter facilement du toit de quelque chose, même de la maison de Carlos, sans prendre aucun dégât. Ah non, mais ça, tu peux te mettre en haut de la tour Eiffel, tu peux sauter, ça fait rien. Hein. Alors attends, ça peut vraiment être une super bonne idée. Et du coup, là, je pourrais faire semblant d'être mort. Ouais, bon, ça, c'est pas forcément la meilleure des idées, mais oui, c'est effectivement, ça va être ça. Ça peut être une super bonne idée. Bon, tu sais quoi, il va falloir que tu l'occupes rapidement et faut que je trouve un sommet assez haut pour sauter et que je fasse semblant d'être mort. Par contre, comment on fait après pour simuler ma mort? On verra ça après. Tu sais quoi, on verra ça après. Déjà, faut simplement faire tout ça. Faudrait que simplement je la distrais, tu trouves un point pour okay. sauter et okay. après je te rejoins. Tu sais quoi, moi je vais passer par l'arrière de ta maison et toi tu l'occupes devant, ok? Ok, je vais lui faire croire que simplement je sais où t'es. Vas-y, je regarde si ça marche. Vas-y. Okay. Vas-y, c'est tchao. Ok, les amis, Awaris va occuper la fangirl folle. Les garçons! Ça va? Okay. Oui, ça va, je peux pas aller voir Talcado. Je vais passer par l'arrière, les amis. Je vais passer par l'arrière. Justement, Talcado, il est pas du tout passé par l'arrière de la maison. Je pars. Ok, allez, c'est parti. Du coup, les amis. Tu es allé dans la maison? Du coup, les amis, moi, il faut que je trouve un endroit assez haut. Où est-ce que je peux? Vous savez quoi? Je crois que j'ai une bonne idée. Je vais aller le point le plus haut. Haut de la ville, c'est tout simplement la maison de Carlos. On va sauter de la falaise, regardez. On va sauter de là-haut. Je vais mettre ces bottes-là et je ne prendrai aucun dégât en sautant. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà, parce qu'il faut surtout pas se faire de mal, parce que voilà. Sinon, il me risque de m'arriver de graves problèmes. Ok, on va grimper tout en haut. Et j'espère que la fangirl folle va me voir sauter et voir que je suis bien, que je suis bien mort sous ses yeux. Attendez, je vois des flèches aussi. Attendez, me dites pas que c'est Awaris qui essaye de me tirer dessus là quand même. Hop là. Bon, il sait que je suis là. Donc, hop là, c'est bon, je grimpe. Ok, c'est bon. Là, je crois que c'est assez haut. Oh oui, c'est assez haut. Regardez. Ok, ils sont en bas. Regardez, en plus, ils sont en bas. Ah ouais, ils ont amené la fangirl folle. Ok, mec, je vais mettre les bottes. Elle sait que tu es là. Yeah, je suis là, je vais sauter. Je vais faire le grand plongeon. Ok. Oh non, il saute. Parce qu'il en a marre, c'est à cause de toi tout ça. Ouais, c'est à cause de toi. J'en ai marre, je vais faire le grand saut. Je vous rappelle les amis que vu que j'ai ces bottes là, je ne vais prendre aucun ou quasiment aucun dégât. Ok, je vais vous dire au revoir mes amis. J'étais ravi de vous avoir connu. À la prochaine, Awaris. Ok, je vais sauter de l'autre côté, comme ça je vais bien pouvoir simuler. Ok, 3, 2, 1, c'est parti. Ah, oh, le grand plongeon. Okay. J'enlève les bottes. Hop là. Ah, ok, ah, c'est bon. J'ai enlevé les bottes, maintenant il faut que je fasse semblant d'être mort. Ok, ok, il risque d'arriver rapidement à côté de moi. Ah, ok, il y a Awaris qui arrive là, les amis. Regardez. Viens vite. T'as le cadeau, non. Je vais mourir, je vous dis au revoir, mes amis. Vas-y, ciao, à la prochaine. T'as le cadeau, je t'aime. Bah, je crois qu'il est mort, hein. Dieu, regarde, t'as le cadeau, il est mort. T'es bête ou quoi? Tu te rends pas compte? Non, c'est pas de ma faute. Je sais pas pourquoi il a sauté. C'est à cause de toi, en fait, ça. C'est quoi tout ce bruit, là? C'est quoi tout ce bruit? Il se passe quoi? Ah bah, regardez, votre pote, il est dead. Quoi? T'as le cadeau? Non. Non, t'as le cadeau, non. Mais attends, mais comment c'est possible? Pourquoi? C'est à cause de toi, ça. C'est à cause de moi. Vas-y, va-t'en. Attends, il a sauté d'en haut, là, mais non. Allez, pars de là. Bon bah elle est partie les gars, on fait quoi maintenant? On le met en terre? Bah je pense qu'il faut l'enterrer et tout, mais comment il a pu mourir? Bon par contre faut pas la laisser partir non plus, allez lui parler vite. Désolé, c'est moi. Elle s'enfuit, allez vite, rattrapez-la, elle s'enfuit. Reviens. Ah voilà, tu t'es mis la potion d'invisibilité aussi, attention. Ah oui, t'inquiète, j'ai un saut de lait, t'inquiète, j'ai tout prévu. Ok, c'est bon, ok, je suis en invisible. Ok, oh, il a mis le faux cadavre, les amis, il y a le faux cadavre qui est là. Je te vois pas, t'es où? Ok, je suis là, ouais, je suis juste devant, attends, je suis juste devant toi. Bon, tu me vois pas, mais moi, je suis vraiment juste devant toi, mais attends. Ok, je crois qu'elle est tombée dans le panneau, tout le monde. Serre-moi la main. J'essaie de te serrer la main, j'essaie. Oula, c'est pas ta main, ça, bizarre. C'est ma main. Par contre, ouais, attends, tu penses qu'elle est vraiment tombée dans le panneau ou pas? Mais elle est clairement tombée dans le panneau, on est en train de l'accuser carrément. Oh non, mais les amis, c'est vraiment pas bien. Elle est en train de. J'espère qu'elle est pas en train de pleurer. Bon, au moins, elle va croire que. Bah, elle va savoir que ce qu'elle a fait, c'était pas bien et qu'elle arrêtait pas de me suivre. Bon, attends, je vais aller voir de quoi elle parle avec Gemi et Lily. On va aller voir ça. Viens, on va voir. Il faut pas avoir un comportement comme ça. C'est pas possible. Mais je voulais pas dire ça. Qu'est-ce que tu fous? C'est mon papa qui est mort. À cause de toi, il est mort. Ah ouais, calme-les. Non. Une explosion. Boum. Bon. Je suis désolée, je voulais pas qu'il meure. Moi, j'aimais votre papa, ton papa, je l'aimais, ton papa. Et votre ami, mais ta faute, il est parti, parce que tu le suivais partout. Ah non, c'est juste que lui, il l'aimait pas, c'est tout.
Bah oui, il l'aimait pas. Il t'aimait pas. Voilà. Il au moins... ne veut pas toi. Va sur une autre cible. Il ne t'aime pas. Au moins, Gaming Awards, ils sont francs. Bon, vous savez quoi, maintenant, il va falloir qu'on passe à l'enterrement. Donc, moi, direction l'église. Chaud, Gaming. Et on va voir comment elle va réagir. Comme ça, elle va vraiment savoir que bah, je ne suis plus de ce monde. Voilà, c'est parti. Bon, les gars. C'est l'heure de l'enterrement, je crois. Papa, j'ai apporté des fleurs. Ouais, bah les fleurs, il faut les poser autour, passe dessus parce que. Ah mince. Pardon, allez, hop, voilà. Moi, je lui ai dit des fleurs carrément. Et je viens de dire quoi? Les fleurs, c'est autour, pas dessus. Oh, respectez ta cadeau là. Et là, il est en train de bouffer des fleurs. Il est quand même mort à cause de elle. Bouffer des fleurs. Attends, il y a marqué quoi? T'as le cadeau 2002-2023. Oh non, c'est vraiment trop triste, les amis, vous avez vu. Elle a toujours aimé les hamburgers. Ouais, du coup, tu veux pas aller chercher un hamburger au McDonald's juste à côté là? Mais je lui ai donné un hamburger. Oh, mon je l'ai gardé pour lui. Alors attends, je vais le récupérer par contre. Oh là là. Ok, bon, je crois, les amis, que Anna est vraiment en train de regretter son geste. C'est vraiment super. Bon, au moins, bon, elle va savoir que je suis mort et qu'elle va plus pouvoir m'embêter. Oh bon, Anna, avant qu'on commence la cérémonie, est-ce que t'as un petit truc à dire? Je suis tellement triste que t'as le cadeau, il ait fait ça à cause de moi. Bah, j'aurais pas dû coller autant. Ça fallait le dire avant. Aujourd'hui, on se retrouve pour la cérémonie de t'as le cadeau qui nous a quitté simplement en 2023. Il était simplement en haut pour voir les anciennes maisons de Carlos Lalien. Il a fait une terrible chute en voyant cette fille là. C'est celle-ci là. Regardez bien celle-ci là, Gamy. Regardez bien. Il a perdu sa voix de droite. À cause d'elle. Carrément à cause de toi. Donc, à cause de cette fille, il a été distrait, il est tombé de la falaise et décédé simplement en 2023 d'une grosse chute et double fracture du poignet et du genou. Voilà, je suis mort à cause d'une double fracture du poignet, donc c'est bien. Bon, après, il va falloir quand même que je révèle, parce que avant la fin de cette vidéo, il va falloir que je révèle à Gamy et à Lily que je suis bel et bien vivant, hein, que c'est juste un troll, mais que par contre, je ne dirai jamais à Anna que moi je suis vivant. Ok, bon alors on va continuer à regarder la cérémonie, comment ça se passe? Alors du coup, simplement, si vous voulez plus de précision, alors quand il est tombé de la falaise, quand il s'est fracturé le poignet, l'eau ça a traversé son crâne et du coup il a traversé son ventre et du coup simplement c'est pour ça qu'il est mort d'une fracture du poignet. Du coup voilà, avant qu'on rebouche le trou, ça commence à puer, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, ça commence à puer. Hein. Ça pue, non! Ça change pas de l'odeur de sa chambre, au moins. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'il s'était pas lavé, pas comme sa fille, là, elle sent pas bon aussi. C'est quoi cette cérémonie? J'espère qu'il va vite enterrer là. Reboucher ce trou, est-ce que vous avez un petit mot à lui dire avant? T'as le cadeau, je t'aime! Ouais. Moi aussi, je t'aime, Gamy. Oula! T'as des sentiments à avouer à mon papa? Moi aussi, Gamy, je t'aime! Hein? Oh, le cadavre, il a ouvert sa bouche. Ouais, non, parler. Mais ça, c'est... Non, mais quand le cadavre est mort, il reste un peu des gaz et ça doit être cadeau, ça. Je t'ai entendu de l'au-delà. Oui, tu as parlé de l'au-delà, ça doit être ça. Bon, du coup, nous allons reboucher le trou. Est-ce que la personne qui est simplement qui est responsable de ce dégât a quelque chose à dire? Je suis désolée, t'as le cadeau. Ouais, ben, j'ai envie de te dire, c'est un peu trop tard. Hein. Bon. Je vais partir. Coup, ouais, c'est une bonne idée. Vas-y, allez, pars. Vas-y, pars. Allez, dégage. Allez, dégage. Allez, bouge. Vas-y. Ouais, je m'embouche le trou parce que ça sent pas bon, là. Bon, on fait une survie Minecraft, les gars. Arise, arise, psst, arise. Eh, donne-moi un saut de lait. Attendez, il y a quelqu'un qui m'appelle. Eh, donne-moi un saut de lait, là. Je vais révéler à Gamy à Lily que je suis bel et bien vivant. Hein, que je suis pas mort. Mais tu veux quoi? Tu veux des cookies aussi avec du lait? Non, juste un saut de lait, s'il te plaît. Vas-y, donne-moi ça. Ah, ok, nickel. Ah, bon, je crois que ça a bien fonctionné. Hop là, voilà, mais voilà. Ah, c'est bon. Où est-ce qu'ils sont? Coucou! Les gars! Il y a un fantôme! Où ça? Il y a un fantôme là! C'est moi, Gamy! Non, Gamy, c'est moi! Je suis un fantôme! Bon bah, les amis, je crois qu'on va cesser pour cette vidéo, ça a pas bien fonctionné. Enfin, là, je crois qu'il croit vraiment que je suis un fantôme. Bon, je pense que la fangirl, par contre, elle va me laisser. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'était t'as le cadeau. Ciao, ciao, les potes.